السلام عليكم ومرحبا بكم. لنقرأ نص بالعربية التي تعلم الكلمات الجديدة عن التكنولوجيا الجديدة، ومن بعد لنقرأ الكلمات التي تستعمل بالعربي في الاتصال الحديث. تغيير استخدام التكنولوجيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فلم تعد الكلمة تشير فقط إلى الآلات والأسلحة، بل صارت مركزاً على أدوات التواصل والتنقل التي تستخدمها. ولكن ليبعد من التمييز بين التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث أن بعض المفكرين الفلاسفة الأوروبيين يقترحوا اعتماد كلمات تقنية لتوصيف معنى التكنولوجيا لأشكال مختلفة من سبب فعال، كما هو الحال في آثار الفيلسوف الفرنسي فوكو على تقنية الذات. Traduction. Au cours des dernières années, les usages de la technologie ont beaucoup évolué. Le mot ne désigne plus seulement les machines et les armes, il se réfère surtout aux outils de communication et de déplacement que nous utilisons. Mais il faut faire une distinction entre la technologie et les sciences appliquées, car certains penseurs et philosophes européens ont proposé d'adopter le mot technique pour élargir le sens de la technologie aux des formes différentes de causalité agissante, le cas dans les œuvres du philosophe français Foucault concernant les techniques de soi. Alors maintenant, on va voir des mots de vocabulaire. Ordinateur, on dit hasoud. L'informatique. L'industrie informatique. Elle ne prie pas al-ma'loumatique. L'informatique, al-ma'loumatique. Le réseau Internet, chapka. Je vais vous dire que ce qui est nécessaire. Là, c'est des termes qui sont en français, mais même en français, je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas vous les donner. Mais il y a beaucoup de mots de vocabulaire, vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai lu. Là, un téléphone. Les communications, elles y disent. Un navigateur, Mustar, un explorateur, Mallah, un logiciel de navigation. Donc un logiciel, c'est Barnamage, un logiciel de navigation, Barnamage Mallah. Une tablette, Lawha Tasbah. Surfer sur le net. De surfer malala.
Un réseau social, Shepkat Ishtimaï. Un chat, Dardasha. Un post, Nasher Ala, l'Internet. Un post sur Internet, moi un post, Nasha. Un site de rencontre, Mauqah Ta'arif. Le sexe à distance, El Jins Amber. Le multimédia, El Mutafaila. Le courrier électronique, El Barid El Electronique. La réalité virtuelle, El Waqi' El Iftiradi. La technologie numérique et la technologie raqamiya. Un ordinateur numérique, hasoub raqami. Une bibliothèque numérique, mekteba raqamiya. Il y a trop de mots, il y a des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'informatique. Mais tout ce que je voulais faire, c'était vous donner quelques clés pour comprendre quand même le topic quand vous aurez des conversations avec des arabophones. Bon, voilà, hein, pour le vocabulaire, je vous ai donné quelques clés. Prenez des notes quand je vous donne des clés, que je vous dis un texte, prenez des notes. N'hésitez pas à revoir la vidéo parce que le texte est très intéressant. Et c'est du niveau C1, donc c'est un niveau très élevé. Et on est arrivé à ça, si vous arrivez à suivre jusqu'ici, c'est que vous êtes pratiquement autonome, quoi, sur le plan linguistique. Prochaine vidéo que je vais faire, c'est pour vous montrer comment utiliser l'outil Internet.